Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. On se rencontre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment utiliser un code PIN à la place des mots de passe sur Windows 10. Alors, si vous utilisez un mot de passe pour protéger votre compte d'utilisateur sur Windows 10, donc vous avez la possibilité de le changer avec un code PIN de 4 chiffres que vous allez utiliser pour accéder plus rapidement à votre session. Alors, pour cela, il faut aller sur le bouton, cliquer sur le bouton démarrer, puis cliquer sur paramètres. Dans paramètres, cliquez sur compte. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Options de connexion. Dans la zone Code PIN, cliquez sur Ajouter. Donc, premièrement, il faut vérifier votre mot de passe que vous utilisez. Faites entrer donc votre mot de passe que vous utilisez. Cliquez ici « Se connecter ». Alors, une fois le mot de passe est vérifié, maintenant, vous allez donc vous saisir le code PIN ici. C'est ici un code PIN de 4 chiffres. Donc, ressaisissez une deuxième fois le code PIN. Et cliquez sur OK. Alors voilà, donc vous pouvez utiliser ce code PIN pour vous connecter à Windows aux applications. Alors, à partir de maintenant, pour accéder à votre session sur Windows, vous allez donc utiliser ce code PIN. Ainsi donc, cette vidéo touchera à sa fin. J'espère qu'il vous sera très très utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne.